les balances, bonjour, bienvenue sur ma chaîne au nom de la rose. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer votre guidance pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo concerne les signes solaires balance ou si vous avez votre ascendant en balance ou votre lune en balance. Je vous rappelle que le tirage est général, gardez bien en tête uniquement ce qui vous parle et laissez le reste, et puis je vous invite à aller faire un petit tour aussi sur les vidéos de vos autres signes. Cela vous apportera de plus amples messages vous concernant. Pour effectuer votre guidance, j'utilise un tarot qui s'appelle Tarot of the Golden Wheel. Donc c'est parti, découvrons les messages ensemble pour votre mois de décembre. Nous avons le jugement et le 10 de bâton. Enfin, c'est la fin d'un cycle laborieux. Hein, on va déposer son fardeau, avec le 10 de bâton. Voilà, il y a une situation inconfortable que vous avez vécue qui s'achève, qui se termine. Enfin, on va pouvoir prendre sa juste place, on va pouvoir se positionner. Il y a vraiment un renouvellement d'énergie positive avec ce jugement dans une situation où vous avez fourni beaucoup d'efforts. Voilà. Alors ça peut être au travail, vous êtes récompensé des actions passées, des efforts que vous avez effectués, de toute l'énergie que vous y avez mis hein, dans ce projet ou dans ce travail. Et puis, ça peut être aussi un soulagement par rapport à une relation. Le fait vraiment de prendre position. Le 7 de denier, le roi de denier, le 7 de coupe, le 6 de coupe, le 9 de denier, cavalier de bâton, le 4 d'épée, le 8 de denier et le page de bâton. Alors, vous avez attendu longtemps pour récolter le fruit de vos efforts. On sent là que vous allez être récompensé au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Vous pourriez avoir une augmentation, une promotion. En tout cas, tous les efforts que vous avez fournis vont être récompensés. Alors, je me permets de dire ici que avec le 7 de coupe, vous allez avoir multiples choix, multiples possibilités. De construire, de créer. On me montre quelque chose qui est lié au passé, ici, dont vous avez la nostalgie. Il est possible de récupérer ces moments passés, ou ça peut être aussi un bien matériel pour d'autres. Hein, parce que là, on a le 9 de denier, donc c'est comme si on avait une récompense liée à un bien matériel ou au travail. Qui va nous permettre ici d'être dans un certain confort. Avec le cavalier de bâton, on peut repartir là vraiment sur des choses créatives, sur des mises en place. Je vous sens déterminé, je vous sens motivé. Et en plus, vous avez l'embarras du choix. Ici, le fait d'avoir les moyens de créer, de monter de nouveaux projets va vous mettre en confiance. Et vous pourriez vous positionner. On me montre aussi un temps de repos, donc c'est peut-être lié aux vacances de Noël, pour les fêtes, par rapport au travail, ou alors vous vous accordez une pause concernant l'activité professionnelle pour peut-être ouvrir une nouvelle porte. On peut saisir une nouvelle opportunité au niveau professionnel, mais il y a une réflexion avant, ou alors il y a un temps de pause ou des vacances. Il me semble ici que vous faites le point, peut-être aussi sur le professionnel ou la vie matérielle,
Parce que vous avez un nouveau désir, vous avez un nouveau souhait concernant la vie matérielle ou professionnelle. C'est possible que ça se passe comme ça. Après, ici, on ne me parle pas forcément de votre vie relationnelle, mais je vais faire un tirage tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Allez, je prends un petit Lenormand qui s'appelle le petit Lenormand prophétique. La lettre, la lune. Alors ici, vous pourriez recevoir un courrier, un SMS, un mail. Une lettre postale, peu importe, qui vient de l'extérieur, peut-être d'une structure, d'une administration, d'un groupe, hein, pour des projets. Alors, je dirais plutôt des projets artistiques, créatifs, voilà. Ou alors, vous êtes dans l'attente d'un courrier qui va arriver sur ce mois de décembre. Le soleil, l'encre, le chien, la clé, les oiseaux, le bouquet, le mont, le serpent et le cœur. Ok. Alors ici, avec le soleil, on est sur une réussite de toute façon. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de stabiliser, de se stabiliser, pardon. Grâce à une réussite, là on est récompensé. Donc peut-être grâce aussi à une personne qui est à côté de vous, un lien de confiance. Cette personne peut être un collègue de travail, une amie, un ami, un membre de la famille, un partenaire amoureux. Vous le voyez, ici il y a vraiment cette idée de réussite sur un projet. Dans une situation qui va vous permettre la stabilité avec une tierce personne. Ou grâce à une tierce personne, avec la clé, c'est pareil, c'est la clé de la réussite. Grâce à des conversations avec une personne, on débloque une situation. Si vous étiez en non-communication avec une personne, il va y avoir vraiment un déblocage à ce niveau-là. On va reprendre la parole, on va recommuniquer de nouveau. Ici, avec le bouquet, il y a une proposition qui va vous plaire. Alors, le bouquet, ça peut être une proposition de travail, un entretien que vous êtes en train de réussir. Ça peut être aussi une proposition d'ordre matériel. Vous avez besoin de communiquer avec une personne et vous vous mettez d'accord par rapport à ça. De toute façon, il y a un ancrage. Ici, c'est OK. On débloque une situation, on transforme cette situation par rapport à un projet de cœur ou lié à une relation affective sentimentale. Pour moi, le serpent, je le représente comme un renouvellement d'énergie positive où les choses se transforment, se modifient, pardon, après un blocage. Et pour moi, le cœur est récompensé ici. Grâce à la communication réussie. Ok, on va prendre maintenant le White Sage Tarot pour faire un tirage relationnel, affectif, sentimental. On peut parler des relations sentimentales, mais également familiales ou amicales. Donc n'oubliez pas de consulter vos prévisions sur l'année 2023, mes chers amis Balance. Les vidéos par signe sont déjà en ligne sur ma chaîne. Vous trouverez la playlist en barre de description sous cette vidéo ou bien à la fin de cette vidéo aussi.
Donc, ce sont des vidéos à lire et à relire tout au long de l'année 2023. Cavalier d'épée et la tour. Bon, ok. C'est pertinent par rapport à ce qu'on vient de voir. Ici, il y a vraiment des communications assez claires, assez franches, des révélations. On dit la vérité ici avec la tour, ou alors on a une nouvelle très surprenante, soudaine, grâce à de la communication. Ça touche le relationnel, bien entendu, hein. Alors, le 3 de bâton, le 8 d'épée, le 6 de bâton, le 7 d'épée, l'as de bâton, roue de fortune, le soleil, le chariot, cavalier d'épée qui revient, donc prise de parole assez franche, assez directe au niveau des relations ou au sein d'une relation en particulier. Prise de décision. Alors, le 3 de bâton, là, c'est vraiment. Ça peut être une conquête amoureuse ou il y a un jeu de séduction aussi à propos d'une personne. C'est aller à la conquête de. Alors, peut-être aventure amoureuse, peu importe. Si vous êtes en couple, en tout cas, il y a des projets aussi, hein, y a vraiment des choses que l'on désire ensemble. Ici. Ayez confiance en vous par rapport à une relation. Vous pourriez avoir la réussite. Libérez-vous de vos peurs, de vos doutes. Hein, il y a des choses qui se mettent en place. Vous pouvez rencontrer aussi une personne. Ayez confiance en vous, vous pourriez réussir. Alors, il me semble ici en effet que vous avez peur de vous tromper par rapport à une relation, mais il y a quand même un fort désir. Donc vous allez changer les choses quand même, hein. Il y a vraiment un changement ici dans une relation. Alors, il y a une clarification des choses dans un couple ou dans une relation pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est grâce à la communication, hein, que vous allez pouvoir prendre une direction claire au sein d'une relation. Le soleil me permet de dire qu'il y a de la communication au sein d'un couple ou dans une union. Peut-être qu'on parle déménagement aussi. Le fait d'habiter ensemble, ça peut être ça. Ou alors il y a une réussite dans une union grâce à la communication. Donc il y a vraiment un vent de changement ici au niveau relationnel pour vous, tout simplement parce qu'on a des projets. On se libère peut-être de peur, de doute concernant la relation. On en a la réussite. Là, il y a vraiment cette idée de ne pas se tromper, d'être sûr de soi. Mais. Le désir est plus fort d'entrer en relation avec la personne ou de faire des projets avec cette personne. Il y a un vent de changement avec la roue de fortune. Fin de cycle pour démarrer quelque chose de nouveau, beaucoup plus positif dans l'union grâce à la prise de parole, le partage, communication favorable, aller de l'avant à deux. Les animaux ici regardent vraiment vers l'avenir. Donc il y a une construction. Une stabilité possible parce qu'on regarde l'avenir, on fait des projets pour plus tard, à deux. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée ce matin. Allez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Oui, ici il est question vraiment d'écouter ses ressentis, d'écouter son intuition par rapport à une relation en particulier, de surmonter les peurs, les doutes. C'est en ça que vous allez avoir la réussite. Bien, on ne peut pas toujours être sûr de soi, mais c'est en écoutant son intuition qu'on peut
davantage en tout cas l'être. Donc ici, avec le 7 d'épée, en effet, c'est une carte où on a peur de se tromper, mais le désir est plus fort, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, il y a cette idée aussi d'écouter son intuition, d'écouter son cœur pour faire des projets à deux ou bien entrer en relation avec une nouvelle personne amoureusement ou affectivement parlant. Donc, un vent de changement grâce à votre intuition, mais également à la prise de parole. Voilà, mes chers amis Balance, j'en ai terminé avec votre guidance du mois de décembre 2022. Merci pour votre intérêt. Si mes tirages vous conviennent, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. C'est un moyen très simple et rapide de me soutenir, de soutenir mon travail, et cela m'encourage à continuer à proposer des tirages tout au long de l'année. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps à ma chaîne et bienvenue à tous ceux qui s'abonneront très prochainement. Merci pour votre écoute, votre fidélité, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle fin d'année 2022, un beau mois de décembre et puis je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Bye bye!